Eh bien, bonjour tout le monde, c'est The Crazy Gamer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur FS15, la présentation d'un mod. Donc, je dépose juste mon micro. Donc, c'est un Fent 933 Vario. Donc, vous voyez que quand même, vu d'extérieur, vu comme ça, il est juste, juste sublime. Voilà. Je vais monter maintenant dedans. Donc, niveau du gyrophare, bon, il fait un petit peu... Hop, on va l'éteindre, il fait un petit peu, on va dire, effet discothèque. Alors, il a les clignotants. Ensuite, donc, en vue intérieure, donc, voilà ce qu'il donne en vue intérieure. Alors, j'ai juste un petit problème avec mes mods, c'est, regardez bien au niveau de l'essence, je vais juste accélérer. Voilà, je perds à chaque fois que j'accélère, donc c'est quand même bizarre. Donc, avec Left, Alt et Keypad 7, on ouvre la porte là. Et ensuite, Left, Alt, Keypad 9, voilà. Qu'est-ce que c'est? Ah d'accord, donc c'est voilà ce qu'il y a là. Donc c'est ce qu'il y a là. J'évite de beaucoup bouger parce que vous voyez, je suis déjà dans le rouge. Hein. Ce que je vais faire, c'est que... Là, au niveau de mon tracteur. Hop, voilà. Et voilà, je le ravite. Voilà. Bon, ceci dit, c'est quand même un super mod, sauf que le seul truc qui est dommage, c'est que moi, avec mes mods, j'en ai encore un là, donc je vais vous le montrer, donc un Volvo. Voilà, je suis déjà à 121 litres, vous voyez, au niveau intérieur, il est quand même pas mal. Et quand j'accélère, voilà, ça refait la même chose. Voilà. Bon bah, en tout cas les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. On se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.